On se pose tranquillement et on écoute l'artiste de ce soir, c'est le concept de l'Instant Chill. Jeune rappeur français, il s'est lancé dans la musique il y a tout juste 2 ans. Il a sorti son premier album Voss le 3 juillet dernier, qui est dispo d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming. Et sur YouTube, ses clips dépassent les 1 700 000 vues, tout cumulé. Levi est en live ce soir avec un tout nouveau titre, Doo Wop, en inédit dans l'Instant Chill de Punch. Bienvenue Levi. Ça va? Super, et toi? Super, super. On y va, c'est quand t'es chaud. C'est parti. J'ai quelques souvenirs d'enfance, une larme au coin de l'œil. Tu sais qu'on a remonté la pente, y a des billets à prendre et de la gueule droit à vendre. On a toute une vie à faire, ma gueule, je vais pas attendre. On remplit tous les écarts, franchit toutes les étapes. Fin de soirée, j'allume un terre avant de revoir les étoiles. Du respect pour ma dar et tous mes proches. Le temps passe, j'ai toujours pas rempli mes poches. Je veux que mes grandes vacances soient des grandes vacances, donc nique les propales, tant que j'ai pas une grosse avant, je fonce. Ils font tout pour leur billet, c'est la bataille. Là, je me réveille toujours avec des cernes et je fais en pagaille. J'ai déjà mes potos, ma mif, donc je veux pas vous connaître. Je parle pas beaucoup, mais j'ai trop de choses à vous promettre. Et la nuit, je traîne en bas, la BR dans les amygdales. Combien veulent me la mettre avec un sourire amical? Toujours au charbon et je vois qu'ils nous prennent pour des fous. Ça vendrait vos mères pour du buzz, j'ai rien à faire avec vous. La night, on fait du son, y'a juste besoin du tosma. Tu connais, nous, on préfère faire les choses, mon front, on cause pas. Beaucoup voulaient nous freiner quand j'y pense, ma gueule. Viens, tu une prod qui sort le micro, je suis en transe, ma gueule. Y'a v'là les événements qui m'ont dépassé. Ouais, les gars, va, je vous l'ai promis, on fera le tour de la France, ma gueule. À l'ancienne, combien de mes rêves voulaient des grosses liasses? Mais en grandissant, la vie nous met des grosses baffes. Cousin, le daron est mort, j'avais que 5 piges. Et nique sa mère, y'a que quand je vais mal que j'ai de l'inspi. Et dans mes poches, y'a Vlad Palette. Mais pour faire des sons dansants, je me casse la tête. Beaucoup voulaient nous faire au départ tête solide, comme si j'avais un casque intégral. Levi. Bah super, franchement, bravo. Chaud, Levi. Mais Antoine, tu m'as dit que tu le connaissais, toi, Levi. Ouais, tu l'avais déjà écouté, ouais. Ah ouais. T'avais vu 2-3 ouais, trucs, t'avais kiffé. Ce petit live, ça. T'as kiffé du coup? Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Ça tue. Levi, tu parles beaucoup de tes débuts, de tes projets dans les sons de l'album Voss. Ouais. Est-ce que selon toi, t'es encore à tes débuts quand on voit par exemple 200 000 vues sur le clip Parenthèse, 660 000 vues sur le clip de Rizla ou OCB? Est-ce que pour toi, c'est encore tes débuts, ça? Bah, t'as vu, je peux pas dire que c'est la même chose qu'il y a un an, t'as vu? Ouais. Mais pour moi, c'est le début encore, tu vois. Okay, moi, ouais. Je vise beaucoup plus loin que ça, tu D'accord. vois. D'accord. Donc, ouais, je sais pas, 200 000, ça va, ça commence à monter un peu, tu vois. Tu vises quoi? C'est quoi pour toi le... Moi, beaucoup plus. Beaucoup vraiment, plus. Moi, je veux des certifs, je veux remplir des salles, je veux faire trop de trucs, tu vois. T'as envie de faire des tournées aussi? Ouais. Ça, c'est mon rêve un peu, tu vois. D'accord, ouais. Ouais. Pour l'instant, tu fais des concerts déjà ou... Bah ouais, mais là, du coup, avec le confinement... Oui, c'est sûr, c'est un peu compliqué. On a un peu stoppé dans le truc, tu vois, mais ouais, moi, je suis pressé que les choses se passent, tu vois, avec le confinement, ça soit terminé. Enfin, le confinement, toutes les histoires de Covid, toutes les histoires de Covid. Pour pouvoir reprendre les concerts. Là, je suis pressé de retourner en studio. D'accord, parce que j'ai été freiné un petit peu ces derniers temps, tu vois. Depuis qu'on a fini le projet et tout, on a fait une petite pause. Mais c'est là, sûr, il faut respirer un peu là. Ouais, de ouf, de ouf. Après moi, en vrai, ça me dérange pas parce que, t'as vu, je fais du son et je kiffe ça. Ouais, c'est ta donc, passion vrai, aussi. Ouais, ça c'est ma passion, tu vois, moi je vis pour ça en vrai. Tous les jours, je me lève, je pense qu'à ça, tu vois. D'accord. Moi, je pense pas qu'à ça, t'es là. Ouais, tu penses déjà à déjeuner, après. Ouais, voilà, c'est ça, je pense à manger, tu vois, vivre quand même. Mais ouais, c'est ma passion et j'aime trop faire ça, mais je veux continuer. Levi, à la base, c'est le nom d'un perso d'animé japonais. Ouais. C'est un univers qui te plaît, celui du Japon? Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Bah, je suis parti au Japon là, l'été dernier. Ouais. Je kiffe ça. Après, t'as vu, on m'en parle de ouf, tu sais, le blaze et tout, parce que ça vient du manga L'Attaque des Titans, tu vois. Oui, ouais. Et vas-y, c'est parce que j'ai choisi mon blaze quand j'étais en 3ème. D'accord, ouais. Et c'était une époque, j'étais matrixé. tu regardais que des mangas et tout, c'est ça? Ouais, non, j'étais matrixé. Et à cette période-là, vas-y, j'ai découvert ce manga, j'ai trouvé le perso, il était grave gang et tout. En plus, il y a plein de gens, ils disent c'est à cause de la coupe de cheveux. Ah, ouais, mais aussi, en fait, ouais. À petit rapprochement. Ouais, mais à l'époque, en fait, où j'ai choisi ce blaze, j'avais même pas cette coupe de cheveux. Ah, ouais, c'est sûr. Mais c'est le destin, ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ce que je me dis. Les deux se rapprochent, quoi. C'est ça. Et tu pourrais, du coup, faire un son qui soit inspiré de cet environnement? Un peu avec des sonorités style japonaise. Bah ouais, pourquoi pas. Mais en fait, moi, je me force pas à faire les trucs. Tu vois, c'est genre ça vient. C'est en fonction du délire, du mood dans lequel je suis et tout. Si t'es triste, tu vas faire un son triste. Si t'es content, tu vas faire un son heureux. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à faire des sons heureux quand je suis triste et j'ai du mal à faire des sons tristes quand je suis heureux. Bah, c'est normal. Bah c'est un peu logique. Mais il y en a, ils se forcent un peu. Tu vois, moi, j'arrive pas. Tu te forces pas. T'écris en fonction de ce que tu ressens. En fait, t'as vu, je peux le faire. Tu sais, ma sauce en général, c'est un peu les sons tristes et tout. Tu vois. Ouais.
Mais il y a des périodes où je vais bien et je me trouve en studio et je dis vas-y, fais une prod et tout. Puis il y a un piano triste et tout et je fais un truc, mais j'ai pas l'impression d'être sincère quand je le fais. D'accord, ouais. Donc, je sais pas. Tu laisses cours à ton. Ouais, voilà, c'est vraiment fou du délire dans lequel je suis. Hein. Bah, vous êtes un peu les mêmes, du coup, tu me disais juste avant. C'est une histoire de rêve, ça. C'est une histoire de rêve, c'est ça, la passion qui parle. Mais c'est ça, c'est ça. Tant que, de toute façon, faut faire. Faut pas parler, faut faire. C'est ça. C'est réel, hein, ce qu'il dit. Hein. Non, mais voilà, il y a une merde. C'est sans le Est-ce qu'il y a un projet, du coup, en préparation pour bientôt, peut-être un nouvel album? Bah, moi, je suis toujours en train de travailler, hein, tout le temps, tout le temps. Donc, toujours, tu disais, tu viens de reprendre. Ouais, donc je peux pas te dire exactement ce qui va se passer ou quoi. Ouais. Mais il va se passer des belles choses, j'espère. Pour 2021 Pour 2021, même 2020, on espère. Ouais. Parce que moi, j'aime pas sortir un truc, attendre, stagner et tout. Moi, j'ai envie de. Moi, je veux faire du son, tu vois. Tu veux charbonner. Ouais, c'est ça, moi, je veux charbonner. En fait, j'arrive pas à pas faire du son. D'accord, ouais. C'est vraiment ta passion, donc tous les jours. Forcément, tu me demandes s'il y a des trucs qui vont arriver. Oui, tu vois, c'est sûr, parce que je vais. Après, quand ça, tu sais pas forcément quoi. Quand, en fait, moi-même, je sais même pas, donc je peux. Ouais, c'est ça. Mais c'est dès que je peux, dès que tout est en ordre, tout est fait et tout. Ça part direct. Et ce titre, du coup, là que tu nous as fait ce soir, il était en inédit. Alors, où est-ce qu'on peut le retrouver, du coup? Ah, alors, je t'explique. Ouais. Je vais pas te mentir, c'est juste j'avais envie de faire un truc nouveau ici. D'accord. J'ai juste écrit ça. D'accord. C'est pas un son qui va sortir. Qui va sortir? Ah, ok, non. Ok. Moi, je me suis dit peut-être. Lâcher une petite exclue pour. Mais c'est cool. Non, mais c'est super sympa, franchement. Ouais. Comme ça, ceux qui n'ont pas été là ce soir, ils l'auront pas. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Bon, merci c'est beaucoup ça. En tout cas, Levi, d'être venu dans Punch. À très, très bientôt. Et du coup, ton album Voss, qui est sorti le 3 juillet dernier, on le rappelle, qui dispose sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Allez l'écouter en force. Merci encore, Levi, d'être venu. Et force. À très, très, très bientôt. Okay. Gros bisous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à toi d'être venu. Bisous.